petit bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan lecture et non pas un bilan manga. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la différence, pour ma chaîne, je t'envoie dans la barre d'infos pour avoir plus d'informations. Donc dans ce bilan lecture, je vais te parler des 6 premiers tomes du manga Je t'aime Suzuki, qui était une série des éditions Kurokawa dans le genre shoujo. Nous sommes sur un manga qui est en 18 tomes. L'œuvre est âge conseillé aux 10 ans et plus. Nous sommes avec l'auteur Go Ike Yamada, qui est un mangaka qui a une autre œuvre disponible en France qui s'appelle Prince Eleven, la double vie de Midori, que je te mettrai aussi en barre d'infos car je l'ai déjà présenté. En ce qui concerne ce manga, nous sommes dans le genre comédie, romance, étrange de vie. L'œuvre est âge conseillé aux 10 ans et plus. Et je crois que j'ai tout dit. Donc pour cette vidéo, on parlera du tome 1 à 6. Pour la vidéo 2, je te parlerai du tome 7 à 12. Et pour la troisième vidéo, et donc dernière, je te présenterai du coup le tome 13 à 18. Et je ferai aussi une vidéo un peu plus tard, sûrement dans un mois ou un truc comme ça, pour te présenter du coup la différence entre la couverture numéro 1 française, allemande et japonaise, bien entendu. Donc du coup, en ce qui concerne le résumé, il est tout simplement dans la barre d'infos, bien entendu. Je ne le dis pas que ce soit un bilan lecture ou un bilan manga, je trouve ça plus simple pour toi que tu comprennes mieux un résumé avec un texte écrit et officiel, on va dire, plutôt qu'un avis, enfin un résumé qui va être approximatif et qui va pas forcément t'aider des masses. Donc voilà, je suis juste une personne très très nulle pour résumer vraiment ce qui se passe, même pour un film ou quoi que ce soit, donc je préfère tout simplement mettre ça en barre d'infos. En ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais juste qu'elle est au top, elle est magnifique et on voit l'amélioration de l'auteur. Déjà dans la recherche de s'améliorer en soi et aussi la recherche d'essayer de donner une apparence un peu plus vieille à ses personnages, même si c'est pour un an, on voit la différence dans le coup de crayon que les personnages du coup ont grandi. Donc moi je vais te dire clairement, je te présente du coup mon avis sur le tome 1 à 6, mais le tome 6 pas entièrement fini. Je n'ai lu que ça et ça je ne l'ai pas lu tout simplement parce qu'on allait atterrir sur une nouvelle année scolaire et je me suis dit que c'était mieux de m'arrêter là pour pouvoir faire un avis là-dessus sur des années scolaires au final et pas sur un manga en entier, bien que j'aurais pu, mais je préférais m'arrêter comme ça aussi par rapport à moi et ma lecture parce que je n'allais pas lire le tome 7 tout de suite, donc c'était plus simple aussi pour reprendre pour moi la lecture. Donc en ce qui concerne la qualité du dessin, forcément comme je te l'ai dit, je la connaissais déjà, donc juste j'ai adoré et j'ai adoré voir justement que l'auteur s'était quand même amélioré entre Prince Eleven et Je t'aime Suzuki. Ce que j'ai aussi aimé, c'est tout simplement que la série entre parenthèses grandit avec les personnages, même si c'est une série âge conseillé 10 ans et plus, donc elle vise absolument tout le monde. Je te dirais que même si tu es assez vieux, tu peux quand même la lire. Voilà, tu te laisses emporter par une vague de douceur, de voilà, c'est pas non plus trop. Alors, est-ce que c'est très dégoulinant de bons sentiments? Je pense pas, c'est pas trop non plus gnangnan. T'as pas envie non plus de frapper les héroïnes en leur disant mais bouge ton cul, t'es trop molle, t'es trop. Voilà, bien au contraire, parce que justement, même si là on est sur 6 volumes, donc on commence avec les personnages qui ont 13 ans, on les suit du coup à 14 ans sur le volume 3, et du coup ils vont entamer leur nouvelle année scolaire sur le volume 6, donc déjà ça c'est pas mal. On voit aussi que du coup les personnages ont évolué, mais ils ont évolué dans le bon sens du terme, tout simplement parce que en 2 ans on grandit, on évolue, la timidité de certains personnages commence à se dissiper petit à petit, l'immaturité de Dot commence à prendre un peu plus de maturité, etc, etc, la confiance en soi, etc. Donc c'est vraiment très intéressant parce que même pour les plus jeunes qui se disent oh là là je suis un peu trop timide, j'y arriverai jamais, là tu peux t'identifier à notre héroïne. Donc déjà aussi ce qui fait sa force à ce manga, c'est tout simplement que en fait on n'est pas que concentré sur la vision de l'aventure par une fille, mais par deux filles et par deux garçons. On nous fait développer les quatre protagonistes parfaitement, on les met tous les quatre plus ou moins en avant. Certains vont être un peu plus en avant dans certains volumes, certains un peu moins dans d'autres. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on ne suit pas que une fille timide et un petit garçon assez immature et assez casse-cou. On va suivre aussi une fille garçon manqué qui est Chihiro. On va suivre aussi le deuxième Suzuki, qui lui a un tempérament assez rebelle, assez beau gosse, assez gosse de riche, mais finalement on va nous montrer l'envers du décor et on va nous montrer que finalement il n'est pas que ça. Et c'est vraiment une œuvre très,
très bien travaillé et très bien tourné, très très bien avancé et évolué sur les 6 premiers volumes. Donc je vais quand même te mettre une petite note à côté pour que tu puisses voir mon avis sur les 6 premiers volumes. Et donc du coup je vais te laisser tout de suite avec mon avis sur les couvertures et voilà. N'hésite pas aussi si tu as des questions à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Donc du coup pour terminer, comme toujours, on va finir avec mon avis sur les couvertures et je vais te montrer du coup mon avis sur les 6 premiers mangas. Mais je vais te montrer quand même vite fait les couvertures du tome 1, du tome 11 et du tome 18. Et alors t'es en train de te dire mais pourquoi il nous fait ça? Tout simplement pour que tu puisses voir justement l'évolution des personnages, à quel point ils ont grandi et à quel point on voit aussi que la qualité du dessin s'est améliorée. Donc hop, on va faire comme ça. Plus ou moins droit, je m'en excuse. Hop, on va essayer de faire quelque chose quand même. Voilà, donc le tome 1 est ici, le tome 11 est là, et le tome 18, bah, c'est celui avec la robe de mariée. Donc je sais pas si tu arrives à voir correctement, mais on voit quand même qu'il y a une évolution sur la qualité du dessin, sur l'évolution des personnages qui donc grandissent forcément. Comme je te l'ai dit, du coup, on les suit de 12 ans, enfin 13 ans à plus de 17 ans. Après, moi, quand je filme cette vidéo, j'en suis à la fin du tome 6. J'ai pas fini le tome 6, comme je te l'ai dit, dans la partie d'avant. Et je ne sais pas du tout si on s'arrête vraiment à 17 ans ou si on les suit jusqu'à, par exemple, 20 ans. Pour l'instant, j'en sais rien. Mais déjà, ce que j'aime, c'est voir justement qu'on voit directement, rien que sur les couvertures, qu'il y a une amélioration au niveau du dessin au fur et à mesure des années. Parce que si ça a commencé en 2008 au Japon, ça n'a pas dû s'arrêter en 2008 au Japon pour le dernier tome. Il y a 18 volumes, sachant que tu multiplies par 2. Tu vois, il y a eu plusieurs mois, voire années dans l'évolution. Donc déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est la couleur orange que l'on retrouve vraiment partout. On l'a aussi à l'arrière et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc en ce qui concerne la couverture 1, qui est vraiment trop mignonne. Voilà. Donc par contre, voilà, ça ira plus vite pour les autres mangas. C'est tout simplement qu'on a exactement les mêmes choses, sauf que le texte du résumé a disparu. Donc voilà, donc ce que j'aime aussi c'est qu'ils ont mis tout simplement les noms des deux personnages et du coup le nom en français Ikaru décrit et telle l'écriture et ça c'est plutôt intéressant je trouve. En ce qui concerne le manga quand on l'ouvre, donc du coup on a droit à la même image. On a droit du coup aux pages de chapitre qui sont dessinées comme ça et à une sublime page qui m'avait donné des frissons dans le dos, enfin des frissons partout quand je l'avais lu. À 13 ans, on s'est rencontrés, à 15 ans, on s'est séparés, à 17 ans, je te cherche encore et toujours. Donc ça, c'est vraiment une phrase magnifique qui va résumer apparemment l'histoire. Donc on a droit à une double page de chapitre. Un petit mot, enfin des explications, et directement l'histoire, donc en même temps... Ça te permet à chaque fois de voir une image en plus de ce que je t'ai montré tout à l'heure. Donc par contre j'ai oublié de te dire pour la jaquette, à chaque fois de ce côté on n'a rien et ici on a un petit mot de l'auteur. Donc là on a les informations principales et ils nous disent du coup que l'autre ici... qu'il y a une deuxième série de l'auteur qui est disponible en France. Donc du coup j'ai oublié de te dire, mais bien entendu si en France les éditions Kurokawa principalement, vu que c'est eux qui ont présenté l'autre œuvre, si une maison d'édition propose d'autres œuvres de Go Ikiyamada, je les présenterai tout simplement parce que j'ai adoré ces deux séries là. Enfin même si je suis que sur, j'ai pas fini la série, mais voilà. Donc là aussi on a le coup des prénoms, donc ça j'adore. Voilà. Donc là on a encore un autre message de l'auteur. Ici on n'a toujours rien, c'est bien ce qu'il me semblait, à chaque fois on n'a rien. Donc hop, une sublime image couleur, enfin couleur, une sublime image. Donc quand on ouvre, ça donne ceci avec une sublime image en noir et blanc. Et ici ce que j'aime c'est qu'on a nos personnages mais on a un petit résumé de qui est qui et tout ça. Et là on a un résumé de ce qui s'est passé dans le précédent volume. Donc ça c'est vraiment un top et j'adore vraiment ce genre de choses. Surtout quand c'est une série très longue en 18 tomes où forcément ça met pas un an tout seul ou 2-3 mois pour sortir, ça met bien plus. Donc c'est vraiment très intéressant.
En ce qui concerne le volume 3, c'est le volume du cou, il commence à grandir, donc déjà on aperçoit un petit peu une modification au niveau des coups de crayon qui essaie de faire légèrement grandir ses personnages, mais pas trop parce qu'il n'y a qu'une année qui s'est passée, donc ça je trouve ça très intéressant. Mais c'est bien, c'est qu'on l'a vraiment ressenti que les personnages avaient grandi un tout petit peu. Donc voilà, là ils ont tout condensé, c'est un petit peu dommage, mais bon. Pareil parce que là les informations sur les persos sont ici alors que tout à l'heure elles étaient ici. Je trouve ça un petit peu dommage mais bon, voilà, hop. Je vais te montrer quand même une autre page que tu vois un peu plus. Donc on va accélérer un petit peu parce que moi je vois déjà je suis à 5 minutes. Même si toi ça sera sûrement un peu moins avec les coupures. Mais donc la même image en noir et blanc. Les infos. Ensuite, on accélère avec le tome 5. Voilà, hop. Perso. Donc après, à l'intérieur, je ne vais pas le montrer parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. Là, c'est la même image. Après, on a toujours les histoires des personnages. Hop, en ce qui concerne, du coup, la couverture 6. Décidément, ce marque-page, je vais se montrer. Et voilà. Donc du coup la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite surtout pas à me rejoindre un peu partout, à aller aussi t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir de te compter parmi mes comptes chat family, et pense aussi à activer la cloche, n'hésite surtout pas à me mettre en commentaire si tu connaissais cette série ou absolument pas, si je t'ai donné envie de l'acheter ou pas du tout, et si tu as déjà lu le manga, n'hésite pas à me donner ton avis sur toi, ta vision des choses pour cette œuvre. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et je te retrouve aussi très vite pour le deuxième bilan lecture. Sur ce, à bientôt !